Penses-tu que le Butterfree à l'intérieur de la Pokéball a Il sent conscience, les hormones. il a conscience de qu'est-ce qui se passe dehors, genre? Je veux dire, Non, lui, mais est-tu juste comme en train de se faire, genre, de se faire à manger sa petite cuisine pokémoniale, genre, en train de juste bouffer tranquille, il va bien? Tu sais. ça, on n'en parle pas assez souvent de ce mystère de la Pokéball. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu sais, genre. Tu littéralement un Pokéball? Dans la Pokéball, Ben, à il y a des l'intérieur, c'est du riz avec des edamame, des affaires de même. C'est ça. C'est ça dans les Pokéballs. C'est drôle, ça. Farewell. Faut qu'on puisse avoir ça. Farewell. With Je note. Eh hey man, Cacalex, on en parlait de ça. Un vieux Pikachu, là, c'est un esti de bon personnage. Mais c'est un Pokémon. C'est un personnage, il est trop charismatique, il a une personnalité. Il est pas encore commercial. Exact. C'est Metallica avant le Black Album. Pikachu peut tuer tout le monde qui veut si ça lui tente de le faire. Ouais. Il est le dieu du tonnerre. Après Zapdos et Thor. Let's go, mes mains là. Hein? Non! Fuck off! Oh my god! Stroke aussi. Ah ça, j'adore ça. Et voilà. Un nouveau badge. Personnel. Le Golden Bird Badge. Aujourd'hui, au téléjournal, nous avons des nouvelles excitantes. Nous sommes rendus au jour 15 du Pokémon. Jonathan a enfin terminé son jeu. Olivier a enfin attrapé son Ho-Oh Shiny. Et les autres compétiteurs, on s'en crisse. Bienvenue à la gorgée. Aïe. Check le sprite, c'est quoi ça? Robot Pikachu? Wesh. Je vais dominer le monde. Oh. Comment non, survie, please. Survie, please. Ah! Pokémon, gotta catch 'em all. Mais non! Pokémon, gotta catch 'em all. Ok, ça demande un peu d'explication. On est à une microseconde avant que ça pète. On a Luigi à gauche. On a Pikachu, Oli au milieu, et on a Donkey Kong à droite. La bombe va être explosée, et ce qui se passe, c'est que Luigi revole à gauche, Pikachu
et Donkey Kong revole à droite. Sauf que l'écran nous indique en erreur parce que l'icône de Luigi clignote rouge, comme si c'était Pikachu. Mais vu que ce sont des alliés, les deux icônes vont paraître rouges et si vous regardez bien en haut à droite, au-dessus de l'icône grise de Donkey Kong, on voit Pikachu. Donc, c'est à se méprendre, c'est pas à gauche, mais bien à droite que ça se passe. Ah! Mais non! Non! Laissez pas le marteau! Yes! Yes! Oh yes, esti! Je jouais comme sans arrêt à Mario 64. Puis, tu sais, Mario, dans celle-là, il fait genre le kaboom, tu sais, qu'il fait un flip et il tombe ses fesses, t'sais. Puis, à un moment donné, dans le cours d'école, je suis comme. On jouait à Mario parce qu'on jouait à ça quand on était jeune. Puis. Avec Philippe Desmarais, j'étais comme, hey, check ça, je vais faire le kaboom, je vais faire un flip, je vais tomber, genre, ses fesses. Tabarnak, je l'ai fait, puis je suis tombé sa tête, mais genre, solide, là. Comme un plongeon directement sur ma tête. Écoute, j'ai eu une bosse pendant des années. Pas des mois, pas des semaines, des années. Un point que je pensais que jamais j'allais guérir ça, là. Ça, je suis sûr que ça allait créer des séquelles, là. Je suis sûr et certain. C'était tellement intense, là. En plus, tu sais, je pense que j'ai pas fait d'hémorragie, quoi que ce soit, mais comme... Ben, je pense. En tout cas, j'ai eu des bosses pendant fucking longtemps. Là. C'est ça. Hein. Pourquoi il bouffe pas son Bulbasaur aussi? Ah, c'est Pokémon Rush. Pokémon Trainer en moi. Là. Ouais, mais Bulbasaur, il évolue pas avec une Rush. Non, il est juste boosté pour péter son Raichu aussi. Ah ouais. L'électricité fait rien à la grass. Ouais, il va grinder un peu avec Pikachu dans la forêt. Fait des allers-retours, man. Dans l'air. Ouais, exact. Mets-le du premier puis change-le avec quelqu'un d'autre au pire, donner un peu d'XP. So brave. So est-ce qu'on a des Pikachu nerds? Pikachu won't change if it's going... Logiquement, ça marche pas parce que, tu sais, la pression de l'eau, elle va être tellement forte que genre... Ouais, tu rentres dans shit, là. Ouais, mais ça marche pas comme ça, là. Tu sais, logiquement, il faudrait qu'il descende vers le bas pour remonter, mais... Ah ben, il pourrait le faire aussi. Tu sais, logiquement, il devrait attendre que le bateau se remplisse au complet. Puis ouais. Genre, puis là, à la dernière bouffée, ils forcent leur chemin, tu sais, là. Mais la pression ouais, est tellement... Ça, mais s'ils font un fucking gros trou, là... Tu sais, mettons, là, Onyx, il est comme... Ça, là, tu sais, il est debout de même, le plafond, il est là, puis il fait... Ça ouvre genre 15 comment, mètres. Comment il roule? Ça fait genre... Il fait genre... Il coupe le bateau en deux quasiment, là. Return, Charmander! C'est exactement la même chose que t'as fait. Now, let's go, Squirtle! Ça aurait juste été plus hot avec ça. What the fuck? Wow. What the? Attends, whoa, whoa, whoa. C'est boy toy. Je les aime parce qu'ils ont de tout petits pénis.
J'ai réuni les quatre jeunes hommes. J'ai réuni les quatre jeunes hommes qui ont la plus grande différence entre leur pénis non érecté et leur érection. Ils ont de miniatures crevettes lorsque leur pénis est mou, mais lorsqu'ils sont bandés, oh là là, la merguez, quoi. Damn! Dude! Ça, c'est un humain à garder. Le Squirtle qui ride le Zubat. C'est la chose la plus badass que j'ai vue depuis longtemps, là. Tabarnak. Holy shit, man.